En Grèce, c'est sur la place Victoria, dans le centre d'Athènes, que des dizaines de réfugiés se sont installés, comme au plus fort de la crise migratoire de 2015. Comme eux, Frechta Husseini a quitté Lesbos pour rejoindre la capitale grecque sans solution de logement. La jeune femme de 20 ans, originaire d'Afghanistan, vient en aide aux familles les plus vulnérables grâce à quelques dons des associations. Le gouvernement les a juste forcés à quitter l'île, mais sans aucune solution. Ils les ont jetés comme des animaux, personne ne leur a dit où aller ni où vivre. La plupart des réfugiés ne parlent pas grec, n'ont pas de travail et ne peuvent pas avoir de revenus. Comment peut-on tolérer une telle situation? La loi grecque oblige les réfugiés à quitter les camps ou les hébergements mis à leur disposition au bout de 30 jours, un délai jugé trop court par les ONG en l'absence de programme d'insertion. J'ai une sœur aînée et un frère qui vivent en Suède. Quand nous avons commencé notre périple, nous voulions aller là-bas avec mes parents. Mais je ne connaissais rien du camp, de Moria, ni de la Grèce. Je ne savais pas que nous devrions rester ici. Depuis plusieurs jours, le gouvernement grec transfère à nouveau des demandeurs d'asile vers le Pirée, près d'Athènes, afin de désengorger le camp de Moria à Lesbos. D'après les autorités grecques, le groupe installé Place Victoria aurait refusé d'être transféré vers des camps. L'histoire semble se répéter. Après le terrible été 2015, beaucoup pensaient que les images de réfugiés sans abri dans la capitale appartenaient au passé. Mais 5 ans plus tard, les autorités grecques doivent répondre à une question. Que va-t-il advenir de ces personnes?